ce royaume. Et combien de temps allons-nous continuer à attendre? Nous savons bien que nos dieux détestent attendre. Igwe, je suggère que nous fixions une date pour couronner la fille choisie. Igwe, aujourd'hui marque exactement 4 jours ouvrables depuis que le grand prêtre nous a informés concernant le désir des dieux de couronner la petite fille. Alors pourquoi t'abandonner? Igwe, je ne veux pas mourir. Chers anciens, pour couronner la fille sur cette terre, il y a des choses que nous devons prendre en considération. Igwe, Aswano, sa mère c'est l'Ezewanyo de ce royaume. La fille de sa mère. Si on la couronne fille de ce sol, va-t-elle continuer à vivre dans la petite hutte de sa mère? Ishianofia, pour la première fois de ta vie, tu parles comme un vrai fils de ton père. Merci au Dieu, tu n'es pas ivre aujourd'hui. Igwe, avertis-le. Il commence encore. S'il te plaît, assieds-toi. Aujourd'hui n'est pas un jour pour des querelles ou des incompréhensions. Igwe, merci beaucoup. Igwe, après avoir couronné l'enfant, où est-ce qu'elle restera? Mon humble suggestion est qu'elle reste ici au palais. Mes anciens, Igwe, vous avez tous bien parlé. Mais nous devons nous éviter la colère des dieux en fixant une date pour le couronnement de Ada comme la fille du royaume. Cette petite fille possède des pouvoirs très forts qui seront très bénéfiques pour ce royaume. En effet, ses pouvoirs seront plus forts que ceux de sa mère. Quant à l'endroit où elle restera, je ferai construire une hutte pour elle ici au palais. Igwe. Son couronnement aura lieu le prochain jour de marché de Hoké. Igwe, si nous oublions pas, souvenez-vous, le grand prêtre a dit que un enfant sera né dans ce royaume. La partie qui m'intéresse le plus, c'est que il a dit que l'enfant sera comme un dieu. Igwe, il a aussi dit que la famille royale se prépare pour accueillir l'une d'eux. Papa, tu pars. Tu t'appelles en tant que le plus grand membre de la famille royale. Pour savoir ce que tu penses de ce que le grand prêtre a dit hier, je suis confus. Igwe, si vous voulez mon avis, je dirais que le grand prêtre est ivre. Pas au grand prêtre de son livret. Les dieux le tueront immédiatement. Alors là, le royaume est en trouble. Je veux dire, comment est-ce que les dieux peuvent envoyer quelqu'un qu'on ne connaît même pas pour vivre avec nous et nous diriger? Et si cette personne alors venait d'un royaume ennemi, il peut venir ici comme un espion et nous venir ici dans la forme humaine. Alors la question devrait être adressée au grand prêtre. Si vraiment c'est vrai, pourquoi est-ce que les dieux nous viennent? Ou les avons-nous offensés d'une quelconque manière? C'est parmi les nombreuses questions qui attendent des réponses. Ces questions devraient être adressées au grand prêtre après avoir couronné la fille de ces terres. Mais avec le pouvoir de cette petite fille, ne penses-tu pas qu'elle peut avoir les réponses à toutes les questions que nous nous posons ici? Igwe, vous pouvez avoir raison. Vous avez raison.
Salutations, père. Salutations, ma fille. Papa, tu as l'air inquiet. Je suis en train de me poser quelques questions vitales. Quelles questions, papa? Où est-ce que le peuple de Antioco a offensé les dieux jusqu'à ce qu'ils viennent nous visiter? La nouvelle est propagée partout dans le royaume. Je me suis approchée pour voir. Et les femmes continuent à me demander si c'est vrai que les dieux vont nous rendre visite. Ah, papa, cela susciterait de la haine en elle. Parce que cela n'a jamais arrivé avant. Le royaume ne s'écroulera jamais sous mon règne. Jamais. Mais papa, mais pourquoi pas le consulter d'autres grands prêtres de villages voisins pour confirmer si c'est vrai? Ne t'inquiète pas, ma fille. Je sais quoi faire. Merci, papa. Papa, je dois partir. Grand royaume d'Intiko. Aujourd'hui marque un jour très unique dans l'histoire de cette terre. Aujourd'hui, les dieux vont prononcer la toute première fille du sol. Ada, ta mère était la toute première Ezewani dans tous ces royaumes. Elle était puissante. Elle avait un grand pouvoir. Mais toi, tu vas avoir de plus grands pouvoirs. De plus grands pouvoirs. Ici. Ada, les dons que les dieux ont déposés sur toi sont faits pour toi, pour utiliser en aidant, en bénissant et en protégeant tout le monde dans ce royaume. Tes pouvoirs et tes dons iront au-delà de cette mer et de cette plaine de ce royaume, le royaume de Ntiko. Tout celui que tu bénis restera béni, et cela pour toujours. Tout celui que tu maudis restera toujours maudit. Il sait. Mais attention, la ligne entre le bien et le mal est vraiment minuscule. Le point qui sépare la nuit du jour est rétréci. L'écart entre la douceur et l'amertume de la vie est très petit. Ne sois pas emporté, ne sois pas distraite par la douceur de la vie, ni par les attirances de cette vie. Les dieux ont leurs yeux sur toi chaque minute de ta vie. Ne permets jamais à un homme de te connaître, à moins que les dieux disent le contraire. Sinon, tu mourras. Ici. Majesté, donnez-lui vos bénédictions. Ma fille, tu as été choisie par les dieux. Alors les dieux te protégeront. Ici. Ils ouvriront tes yeux afin que tu vois nos ennemis. Ici. Ici. Tu auras plus de jours de vie que ta mère. Ici. Élargis ton cœur et je te désigne symbole d'autorité, symbole de pouvoir et d'énergie.
symbole des dons, en tant que la première fille de ce sol. Ta fiancée n'est pas ta femme. Elle porte l'enfant de notre homme dans son sein. N'ose plus jamais de parler en mal à la prochaine reine de ce royaume. Comment oses-tu toucher la fille du sol de cette manière? Dis-lui de partir d'ici maintenant. Tu vas le regretter. Va-t'en. Ferme la parole. Va-t'en. Oh. Ma mère. Raphaël, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne va pas pouvoir. Garde, à l'aide. Maman. Majesté, le palais a été profané. Le palais a été profané. Et au moment où nous parlons, la colère de Dieu est sous la maison royale. Pourquoi? Qui a giflé la fille de cette terre? Qui a giflé la fille de cette terre? Nous sommes désolés. Ce n'était qu'un malentendu entre le prince et la fille de cette terre. Oh! Vous dites que ce n'était qu'un malentendu. Hein? Je vois. Mais le prince ne va plus jamais utiliser cette main. Jamais. Écoutez. Les dieux ont décrété que le prince Ugona sera banni de ce royaume et doit quitter ce grand royaume dans 3 jours. Ainsi déclare les dieux. Ainsi déclare les dieux. Ce grand royaume d'Entioko. Aide de Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par la prophétie? Ça n'arrivera jamais tant que nous serons en vie. Igwe Amaka, y a-t-il quelque chose que tu sais qu'on ignore? Il y a 1000 ans de cela, ton enfant viendra de l'une des familles royales. Cet enfant possédera tellement de pouvoirs qu'ils seront capables de détruire tous nos pouvoirs ainsi que nos sectes. Le grand prêtre est venu l'autre fois. M'informer que je devais me préparer à accueillir les dieux. Cela est la prophétie. Oh oui. Alors il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons pour empêcher la prophétie. Il faut vraiment que nous fassions tout pour empêcher cela. Oui, il le faut. Cricor.
N'a pas besoin de se battre dans un environnement poussiéreux ou dans le noir. Le prince Ugona est allé se battre avec son chi. Alors qu'est-ce que vous attendez? Je soutiens l'opinion selon laquelle le prince Ugona doit obéir aux dieux en allant vivre dans sa maison maternelle. Et donc? Igwe, élever des moutons. Tout le monde connaît ce qu'il veut. Ethiopia. Ethiopia. Ah oui. Comment veux-tu que lui et ses parents prennent le trône de ses royaumes? De vivre dans la maison de ses ancêtres. Igwe. Je suggère qu'on appelle les grands prêtres pour qu'ils demandent ce que les dieux veulent. S'ils veulent ces royaumes, il faut leur donner 1000 chèvres et 1000 vaches. Igwe, Ugona a mené cette calamité sur lui-même. Est-ce que vous avez oublié comment il avait détruit la vase d'eau les défunts et moines avaient fabriqué durant sa carrière? D'après lui, il disait qu'il ne peut pas s'agenouiller pour saluer quelqu'un comme le prince. S'il n'a pas voulu obéir aux ordres de Dieu, donc il doit s'apprêter à affronter la colère de Dieu. Et je ne ferai pas partie de ça. Personne ne peut combattre ce chi et vivre pour dire l'histoire. Nous devons d'ailleurs remercier les dieux pour avoir gardé le prince Ugona en vie. Igwe, le prince Ugona est votre fils. Je vous prie, dites-nous quoi faire. Igwe, vous avez tous bien parlé. Jean. Nous devrions laisser le prince Ugona dire quelque chose avant que je ne conclue. Je suis désolé, papa. Je suis désolé. Je suis désolé pour ma désobéissance. Ancien de notre royaume, Igwe. Très tôt demain matin, les guerriers iront accompagner le prince Ugona dans sa maison maternelle. Prince Ugona, tu peux partir maintenant. Igwe, mes chers anciens et moi, nous sommes vus les deux jours et nous avons pris une conclusion que nous devrions inviter le grand prêtre. Pour qu'au moins qu'il nous explique un peu plus la raison de la visite des dieux. Le secret m'a déjà été révélé hier la nuit par les dieux. Igwe, mais que voulez-vous dire? Il ne s'agit que de la prophétie. Igwe, de quelle prophétie parlez-vous? Quelle prophétie, Igwe? Il y a plusieurs années, une prophétie a été donnée selon laquelle un enfant serait né par une membre de la famille royale, incluant tous nos royaumes frères. Cet enfant a des grands pouvoirs qui peuvent détruire tout ce pour quoi nous avons durement travaillé dans ce royaume. Alors, nous ne devrions pas laisser une telle prophétie se réaliser. Igwe, mon père me parlait de ça lorsque j'étais encore enfant. Donc les dieux ne peuvent jamais nous donner ce que nous-mêmes nous voulons. Alors, est-ce que les dieux veulent nous donner un enfant qui va détruire notre royaume d'Ithioku? Hey! Hey! Igwe! Le vin de palme est une boisson dont le dieu nous a bénis avec. Mais pour y chier,
Oh non, Fia! Le vin de palme est très toxique pour lui. Il fait non, Fia, arrête de boire le vin de palme. Arrête de boire le vin de palme, c'est pas bien pour toi. Tu es maintenant un ivrogne. Un ivrogne. Igwe, suis ivre. Itié Abou recommence. C'est bon, calme-toi. Itié Abou, continue. Igwe, nos ennemis sont capables de faire tout. Nos dieux ne peuvent pas donner cette mauvaise prophétie. Donc, ma question est celle-ci. Comment allons-nous empêcher cette prophétie? Voilà la question. Voilà la question. Comme cet enfant maudit va naître d'une membre de la famille royale, je soutiens l'idée que nous allons devoir les empêcher de se marier. Igwe, vous avez raison. Les messagers du royaume devraient déjà aller partout pour annoncer cela. Hé, Igwe, mais votre fille, notre princesse, elle va bientôt se marier au prince Emeka du royaume d'Adjani. Ce mariage est par conséquent annulé. Point barre. Igwe. Je le déclare. Igwe, le messager vient d'annoncer les messages à tous les royaumes. Yeah. Aucune femme royale ne devrait se marier, pas tant que je serai en vie. Igwe, ma fille et son futur mari veulent déjà venir au palais pour le mariage. Un tel mariage est annulé. Majesté, nous pouvons appeler le grand prêtre pour avoir une bonne explication concernant ce que signifie la prophétie, parce que je suis vraiment confus moi-même. Le grand prêtre vient juste de quitter le palais et a tout expliqué à moi et à Onohu. Il dit que la prophétie est maléfique et qu'on ne devrait pas la laisser arriver. Igwe, comme vous l'avez dit, je suggère que nous appelions le grand prêtre afin qu'il nous dise de quelle famille cet enfant naîtra. Cet enfant maudit dont parle la prophétie. Ichiebi. Au lieu que nous empêchions nos jeunes filles de se marier. Ichiebi. Igwe. Tu parles comme de la salive qui s'échappe de la bouche. J'ai dit que le grand prêtre vient juste quitter le palais et nous a dit que cette prophétie est maléfique et qu'on ne devrait pas la laisser arriver. Allez maintenant et informez aux guerriers d'empêcher toutes les demoiselles royales de quitter le royaume. Sinon... Igwe... Du royaume du Zuku. Réveillez-vous, oh! Le peuple du royaume du Zuku. Le roi dit qu'aucune femme ne doit prendre un mari jusqu'à nouvel ordre. Et si on vous attrape, vous serez tué. Si tu as écouté, dis à ton voisin oh. Si tu as écouté, dis à ton voisin oh. Tu as l'air trop petite. Mais spirituellement, tu es si grande. Ce qui est arrivé au prince, cela prouve que tu es vraiment choisie par les dieux. Parlez, ma princesse. Je vous écoute. Je suis désolée. Les anciens vont réfléchir ensemble pour découvrir ce qui est arrivé aux deux guerriers qui sont allés escorter le prince dans le royaume d'Obata. Mais la nouvelle est arrivée au roi que le prince va bien. Ma princesse, pourquoi êtes-vous préoccupée de poser la question aux dieux au sujet d'un enfant maudit? Est-ce que tu te rappelles que ce qui est arrivé au prince, cela vient exactement entre les mains des dieux?
ne sortez plus un mot. Puisque je ne saurais guérir le maladie qu'ont causé les dieux. Je suis désolée. Ada, je dois déjà partir. Ok. L'homme en flèche, je vous remercie d'assister à cette réunion malgré le danger que nous courons. Vous n'avez pas à nous remercier, ça concerne notre royaume. Toute réunion est importante. La fille de Honowu veut que nous parlions. En attendant, son mari. Mais mon inquiétude est que nous devons la tuer avant tout ça. Tous les mariages ont été annulés, y compris celui de ma fille, la princesse. Les guerriers ont été déployés sur toutes les frontières. Nous avons pris toutes mesures pour arrêter tout mariage. Parce que nos demoiselles peuvent être tentées de coucher avec les gardes pour avorter ces grossesses. Voilà. Oui, c'est vrai. Nous devons très vite les avertir que la mort est la peine. Si on les attrape. Quelqu'un qui a été puni et banni par les dieux peut soudainement aller bien. Il va vraiment très bien. Les guerriers qui l'escortaient, ils ont tous disparu. Igwe, je suis vraiment confus. Vraiment confus. Les anciens ne sont pas confus. Lorsqu'un homme ordinaire est confus, Igwe, je suis sûr que le dieu de Obanta, de ta défunte femme royale, exige d'écouter ta voix. Et pour les guerriers, peut-être ils essayent de trouver leur dieu. Igwe, un espace laissé au diable d'agir, c'est un espace pour un homme sage de montrer sa sagesse. Je vous le dis, mon roi. Et tiens à boire. Igwe. Nous savons tous dans ces royaumes que son défunt père était mort au-dessus d'une femme dans ces royaumes. Je n'ai jamais utilisé cette information pour les détruire. Et nous savons aussi comment ils ont forcé leur fille. Ils partaient pour voir d'autres filles. Il avait 3 femmes, mais ça ne les suffisait toujours pas dans ces royaumes. Il est allé chercher la 4e. Je n'ai jamais utilisé cette information pour le dénigrer. Et tu as boire la prochaine fois que tu me parles de cette manière. Je donnerai à mon service d'en finir avec toi. Mon monsieur, même si tu appelles 1000 de tes enfants, ils ne vont rien me faire. Si tu l'oses encore, mon fier, tu auras vraiment affaire à moi. Hein? Et tu as boire, je t'avertis. Ne me tente pas. Tu es averti. Ne me tente pas. Assez. Palais. Assez. Arrêtez. Et tout le dit, asseyez-vous. Igwe. Icho Bionze. Igwe. La vérité, concernant la dispute, tant que nos deux anciens ici présents n'est pas encore révélé. Igwe. Moi, je suspecte que tous les deux sont en train de traîner une veuve. Hein? Qui, jusque-là, n'est pas connu. Hein? Bien.
Si je te gifle avec cette main, si je te gifle avec cette main, tu ne m'allais plus de t'enceinte. Assez de tout ceci, assez. Assez de tout ceci. On a de plus sérieux problèmes actuellement. Voilà. Et vous voilà tous en train de vous crier dessus comme ça. Je suggère que nous invitions le grand prêtre pour nous révéler ce mystère derrière la guérison du prince Ugonna et de la mort soudaine de nos guerriers. Nous n'avons pas besoin de déranger le prêtre. Encore moins le dieu de notre royaume. Ce qui est encore plus grave, c'est que le prince Ugo est guéri. Et nous avons obéi au dieu en chassant le prince d'ici. Ichofia, tu as très bien parlé. J'aime beaucoup ton éloquence. Que nos dieux ne cessent de te donner plus de sagesse. Igwe. Oui, le prince Ugonna est notre fils. Et nous sommes très heureux qu'il se porte bien maintenant. Deuxièmement, nous avons obéi au désir des dieux. Et pour les familles de guerriers qui sont morts, nous allons trouver un moyen pour les compenser. Voilà, j'ai parlé. Igwe. Bienvenue dans notre royaume. Quoi qu'il s'est passé, tu es toujours notre fils. Aussi longtemps que notre fille mettra au monde. Les temps que tu passeras ici, nous allons prendre soin de toi. Nous nous demandons toujours, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non. Ça, c'est ma mère. Je vais bien maintenant, parfaitement bien. Ah. Je suis très heureux d'être arrivé là où vivait ma mère. Je suis toujours choqué de ce qui est arrivé sur mon chemin vers Abada. Sur ton chemin vers Abada? Ugonna. Ouais. Je sais que tu ne vas pas m'aider, mais je vais te poser une question. Es-tu un prince ou une personne normale? Je suis un prince. Pourquoi cette question? Un prince, c'est un guerrier. Tu dois garder la tête haute à tout moment. Je suis perdu. Vraiment? C'est une honte. En fait, ce qui t'est arrivé, toi, les princes de notre royaume, c'est une honte. Je sais. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les dieux ont pris leur décision. Ugonna, est-ce que tu sais que tu as perdu ton royaume? Oui, je sais. Tu le sais? Oui. Et tu veux l'accepter juste comme ça? Hein? Tu veux l'accepter juste comme ça sans pourtant te battre? Mais avec qui je veux me battre? Combattre les dieux? Non, non, contre qui vais-je me battre? Ugonna, tu es la fille du sol. Ton père va venir te chercher. Nous sommes venus voir le roi. Laissez-les passer. Igwe, que vous puissiez vivre longtemps. Nous sommes venus vous voir. Et qu'est-ce qui vous emmène dans mon palais? Igwe. Nous toutes, nous sommes du vrai sang. Nous avons entendu dans la dernière festivité du marché que les femmes ne vont plus se marier. Igwe, si nos grandes sœurs ne peuvent pas se plaindre pour elles-mêmes, nous sommes venus pour de l'aide. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Igwe, mon père a donné naissance à 7 filles. Igwe, si mes aînés sont privés du mariage, là je suis préoccupée de mon sort. Igwe, je suis la seule fille de mes parents. S'il vous plaît, aidez-nous. Igwe, pourquoi les dieux doivent être méchants envers nous? Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour mériter cette punition? Igwe, s'il vous plaît, faites quelque chose. Igwe, s'il vous plaît, ne rejetez pas notre demande. C'est tout ce que vous êtes venu me dire. Oui, Igwe. Très bien, je vous ai toutes écoutées attentivement.
et je vous ai très bien comprise. Je veux que vous sachiez que pour votre sort, je vais consulter les membres de mon cabinet pour en savoir sur votre sort. Igwe. Vous pouvez partir maintenant. Merci, Igwe. Obi, mais de quoi parles-tu? Comment est-ce que ton père le roi peut empêcher toutes les filles de ce village de se marier? Je m'attendais à te voir. Comme prévu, mais je n'ai pas pu. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de venir de moi-même. Cela concerne la prophétie. Un enfant diabolique qui va naître d'une femme de famille royale. Et tu sais que cela concerne toute une lignée. Ne me dis pas que tu crois en cette maudite prophétie. Il doit y avoir quelque chose dans cette histoire que jusque-là vous ne savez pas. Et que veux-tu que je fasse? Salutations, Majesté. Amène tes salutations à la forêt maudite. Alors tu es venu convaincre la princesse et la pousser à enfreindre la loi. Non, Majesté. Alors va-t'en de mon royaume avant que je ne mette le guerrier sur toi et ces derniers te tueront. Mais Igwe, je dis va-t'en d'ici maintenant. Papa. Va-t'en. Papa. Mon prince. Uche. Pourquoi êtes-vous ici à la recherche de Ebonto si tôt? Le grand prêtre. On dit toujours que si l'enfant pleure en pointant du doigt, si sa mère n'est pas là, son père sera là. Voici mon ami et mon frère, le prince Ugona du royaume d'Inchoku. Il a été frappé et puis chassé quelqu'un quelque part. Tel que nous parlons, il a été banni vers le royaume de Banta. Un grand prêtre, s'il te plaît, aide-moi. Je veux me venger. Je veux récupérer ma position comme le prince du royaume de Choku. S'il te plaît. Ce que vous cherchez est plus grand que vous. Qu'est-ce qui peut être plus grand que les grands Ibontu? S'il te plaît, je suis devenu un objet d'humiliation. Aide-moi. J'ai besoin d'un bébé âgé d'un jour, avec un sang royal, pour le sacrifice. Et deuxièmement, pour la vengeance, surtout celui qui a causé votre bannissement. Emmenez n'importe quel matériel que cette personne utilise, lui ou elle. Il me faut absolument cet objet. Ok, très bien. Nous allons faire ce que vous avez dit. Nous devons partir. Merci, grand prêtre. Vous pouvez y aller. Merci. Merci.
Bienvenue dans ma demeure. Merci. Qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume? Je suis là pour t'informer que le corbeau noir a pressenti la naissance d'un enfant maléfique qui approche à grands pas. Et au même moment, te dire que le prince Ugona est maintenant en bonne santé et vit maintenant dans mon palais. Et je veux te remercier parce que le miroir a montré que tu l'as guéri. Merci infiniment, mon roi, d'avoir permis à mon fils de rester dans ton palais. Quant à la prophétie, nous devons augmenter la vigilance auprès de nos jeunes filles afin d'éviter une quelconque grossesse. Ne t'en fais surtout pas, je vais veiller à ça jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Très bien, merci. Écoute-moi très bien, mon frère. Tu dois garder ta tête haute si tu veux être un homme. C'est ça. Et oublie toute cette déclaration. C'est tellement simple que ça. Ah, mon frère, je suis fini. Comment vais-je m'approcher de la fille du son alors que je ne vis même plus là-bas? Et tu sais que notre tradition interdit qu'à toutes les femmes ne doivent pas tomber enceintes. Ma chérie qui est enceinte ne m'aime pas du sang royal. Ugona, tu n'as rien à t'inquiéter parce que tu es ici. Oui, je connais quelqu'un. Quelqu'un de ma famille, la fille à la grande sœur de ma maman. Elle s'est mariée au chef des guerriers. Je t'ai dit, elle m'a dit en pleurant que elle regrette vraiment de l'avoir épousée. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ah, une chose que tu ne connais pas et que Prince Uche a une solution à tous les problèmes. Je vais l'inviter. Et ensuite, je vais la rassurer que tu vas vraiment l'épouser. Mais à une seule condition. Si Sema, elle tombe enceinte de toi. Et tu penses qu'elle va accepter? Tu vois ce que je dis, hein? Tu sais ce que je fais, tu sais pas de quoi je suis capable. Laisse tout à moi. Hein? Je trouverai une solution. Je vais aller la voir. Comme je te disais, mon ami, tu n'as rien à t'inquiéter. Où tu es-tu, malheur? Je t'apprécie beaucoup. Dis-moi un peu ce que j'aurais fait sans toi. Et pour Ada, elle dansera au rythme de mon drôme. Oh, mon ami, ne t'aimais pas à penser à ton père jusqu'à ce que tu vas reprendre ton trône. Hein? Fais-en comme tu le dis, mon frère. Tout est facile. Alors, tu n'as rien à t'inquiéter pour ça. Mon préfet, rappelle-toi que Igwe t'avait demandé de ne plus voir les princes Emeka en dehors de ses palais. Le grand prêtre a juste dit que le membre de la famille royale, ils doivent se préparer pour accueillir le dieu et non interdire le fils royal de se marier. Ma princesse, là tu es en train de les pousser à défier les dieux. Et je ne veux pas qu'ils défient les dieux. Ce que j'essaie de dire est, laissez le fils royal se marier. Ma princesse, calme ta colère. S'il te plaît. Arrête. Oh non, je suis venu pour savoir ton opinion concernant cette
prophétie. Parce que jusque-là, je ne comprends toujours pas. Je suis également confus et pas du tout content de cette prophétie. Mais les dieux l'ont déjà prononcée. Nous n'avons donc pas de choix que de nous incliner sur leurs exigences. Oh non. Penses-tu vraiment que toi et moi pouvons aller vers l'autre royaume pour trouver la vérité concernant la prophétie? Notre grand prêtre, peut-être il est en train de mentir. Allons-y nous-mêmes, comme les anciens de ce royaume. Itionofia, je pense que tu as raison. Tu dis vrai. Je suis désolée de vous avoir interrompu. S'il vous plaît, si vous pouvez me permettre, j'ai quelque chose à dire tout de suite. Tu peux continuer. Merci beaucoup. J'avais demandé à mon mari, étant le second chef, d'aller à Obanta pour rencontrer les grands Ubuntu. Pour découvrir actuellement ce que la prophétie dit. Vas-tu retourner là-bas? Va à l'intérieur, prépare-moi ma nourriture. Ce problème concerne les hommes et non les femmes. Que peux-tu me dire là-dessus? Oh non, ta femme a dit la vérité. C'est ce que je suis en train de te dire. Oh bien, no, Dieu. Mabusama. Nein. En tout cas, voici le prince Ogona. C'est lui dont je t'ai parlé. Mon prince, mes salutations. Honnêtement, mon prince présent ici m'a vraiment parlé de vous. Et je suis vraiment contente de vous rencontrer. Vous voyez mon prince? Mon prince m'a beaucoup parlé de vous et ce que vous cherchez. Merci. Et je suis vraiment, vraiment contente de vous voir. Mais mon prince, je veux que vous m'assurez que vous n'allez pas me décevoir quand je quitterai mon mari pour vous. Non, non, je ne pense pas. Je suis heureux de te voir, moi aussi. Et merci d'avoir répondu à ma demande. Je suis très sûr que le prince Uche t'a déjà parlé de la femme que j'étais sur le point d'épouser. Oui, mon prince, elle avait vraiment l'espoir de se marier à un prince. Mais vous la bénissez parce qu'elle est enceinte de notre homme. De toutes les façons, j'aimerais que nous gardions cette relation secrète. Voilà, voilà. Tu vois comment je t'aime beaucoup. Mon prince. Parce que tu connais ce que tu veux et tu sais les protéger. Tu vois, je vais punir celui qui viendra t'apporter l'information et non à lui. Oh. Ok? Merci, mon prince. Je suis vraiment honorée. Je t'en prie. Je suis désolée, j'étais interrompue. Tu allais au champ. Tu peux continuer ton chemin. Et je crois que nous puissions nous voir d'abord ici, mon prince. Ne t'inquiète pas pour ça, ne t'inquiète pas pour ça. Merci, mon prince. Tu peux partir. On se voit plus tard, mon prince. Il n'y a pas de quoi. Je t'avais dit. Hein? Ouais. Tu ne seras pas dessus. Mes salutations, mon roi. Vous avez envoyé me chercher. Quand ton roi cherche la paix, le progrès et la survie de son royaume, où il peut aller n'a pas d'importance. Vous avez raison, mon roi. Que cherchez-vous auprès d'une petite fille? Quand la prophétie va-t-elle s'accomplir? De quel royaume et de quelle famille royale naîtra cet enfant maudit? Mon roi, vous cherchez la connaissance où votre passé est limité. Je vois un nouveau couronné sur le trône du royaume de Ntsuko. Encore une chose, mon roi, dites au prince que les dieux n'accepteront pas sa demande. Le prince, quelle demande?
préparer un nouveau couronné pour le royaume des Oukoko. Puis-je maintenant partir, mon roi? Mon mari, le Dieu se rend avec toi là où tu vas. Il sait. S'il te plaît, rappelle-toi de demander à propos du royaume, de Dieu et tous ces secrets qu'ils ont pu nous cacher. On fait que toi et les anciens puissiez surmonter ces défis. Hein? Très bien, je t'ai entendu. Au cas où l'un de nos anciens vient pour me chercher, dis-leur que je suis allé voir ta famille. J'ai déjà dit à Igwe la même chose. D'accord, bon aller. Nguano. Mes salutations. Le grand roi Aloko du royaume d'Uchoku. Tu es le bienvenu, mon fils. Prince Uche. Le voyage doit avoir été stressant. Oh oui, votre majesté. Comment allez-vous? Et comment va la princesse Ma? Oui, je vais bien. Et pour la princesse Uma, elle est allée voir son amie. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume? Oh, vous voyez, je suis venu rendre visite. La fille en question. Parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça dans notre génération. Ça, c'est bien réfléchi de ta part. Mais avant que tu ne partes, j'aimerais savoir, comment va ton père le roi, Udo? Oh, mon père, il va très bien. Il est en bonne santé. Et il vous a envoyé ses salutations. Merci. Garde, Igwe, amenez-le auprès de la fille de notre royaume. Igwe. Merci beaucoup, votre majesté. Mon prince. Bienvenue. Je suis Ojuche du royaume d'Ombata. Et je souhaite parler avec toi. Parlez, je suis là, je vous écoute. Tu as fait une faveur à Igwe. J'en suis sûr. Vos voix sont vraies, mon prince. Comment va le roi et tout le royaume? Oh, le roi! Nous remercions les dieux de nous avoir protégés et nous garder en vie. J'arrive, un moment. Désolé pour la distraction, mon prince. Laisse ce qui est esprit au monde des esprits. Je suis juste venu pour t'apprécier vraiment. Et ta chaise. Garde, mon prince. Merci, mon prince, d'être venu. Moi, la fille de la terre, je n'accepte pas
les cadeaux qui sont contre les volontés de Dieu. Mais nous sommes venus juste pour montrer la reconnaissance. Vous pouvez partir, mon prince. Mais je... Partez. Ouais, je ne t'ai pas vu. Alors, dis-moi. Vraiment. Où étais-tu? J'étais occupée. J'étais en train de faire quelque chose. Voilà. Ouais, c'est bon. Tu as dit que tu voulais me dire quelque chose. Oui, mon ami. Je suggère que tu prennes ton enfant et que vous retourniez au royaume. Elle doit vivre avec son père. Je ne suis pas en train de penser à cela. Mais le problème est que je suis vraiment effrayée. Parce qu'il ne va pas aller doucement avec moi. As-tu peur? N'aie pas peur, mon ami. J'irai avec toi. Es-tu sûre? Je l'ai dit, j'irai avec toi. Je suis confondue au même moment. Je ne sais pas si je dois aller laisser ma fille vivre avec son père ou rester avec elle ici dans mon royaume. Tu prendras soin de ton enfant. J'espère que tu as entendu ce que j'ai entendu. Et que tu le forces à t'épouser. Et tu penses qu'en faisant cela, je le force à m'épouser? La chose qui me concerne ici est que ma fille se rencontre avec son père. Tu sais très bien qu'il y a deux fois, elle m'a demandé qui est son père. Et je pense que c'est le bon moment pour moi de l'amener chez son père. De toutes les façons, je vais d'abord discuter de ça avec mon père. D'accord. C'est bon, je t'ai entendu. D'accord. D'accord. J'irai avec toi, hein. Et merci pour tes conseils, hein. Oui, tu es ma sœur. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Elle a été attrapée essayant de s'enfuir d'ici. Qui est-elle? Elle est Ifi, la fille du défunt Onohou. Je m'appelle Ifi, la dernière fille d'Okeke. L'ancien Onohou. Igwe, mon père m'a toujours dit que les dieux sont gentils, aimables et calmes. Et il a aussi dit que le trône d'Omoudougou a été construit avec amour et non par la violence et la méchanceté. Et je continue de dire que les dieux ne peuvent pas stopper les filles royales d'être des grand-mères. Igwe, pourquoi alors nous avons un dieu qui soutient le mariage et la fidélité? Silence, toi, enfant maudite. Garde, majesté. Amenez-la dans la forêt maudite et tu es là. Et allons-y. Ouais, je sais que je vais mourir, mais le train d'Ontoukou ne vous va plus du tout pas. Amenez-la, avance. Abomination. Comment est-ce qu'on peut avoir une fille pareille? Mais, ça signifie quoi tout ça? Oh non, merci pour la nourriture. Il n'y a pas de quoi. Mais je n'avais jamais appris qu'Ichien avait perdu sa bicyclette. Comment est-ce que tu as fait pour entrer à la maison?
toute une vie d'expérience. Sais-tu que j'ai dû marcher pendant une longue distance avant que je n'obtienne une bicyclette, grâce à l'aide de nos guerriers. Naï, selon toi, tu avais dit que tu étais en train de surveiller ton vélo non loin d'ici. Alors, comment n'as-tu pas vu cette personne qui est partie avec ton vélo? Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Oh non. Lors de notre dernière réunion, les guerriers ont attrapé Ifi, la fille du feu. Oh non. Ichie, Okeleke. Elle a été abattue pour avoir tenté de s'enfuir de ce village. Cela va servir de leçon aux autres jeunes filles de ce royaume. Forcément, vous pouvez donner une leçon à quelques femmes de leurs filles. Alors dis-moi, comment est-ce que ça avance? Comme nous avions discuté, je suis allé au champ pour la voir pendant ses vacances. Elle était vraiment contente. Mais elle a suggéré qu'on se marie avant le festival des jeunes. Qu'en penses-tu? Non. Non. Ça ne sera pas possible. Oh oui. Ça ne sera jamais possible. Écoute, nous devons nous rassurer que tous nos plans marchent à merveille. Et ensuite, tu vas l'épouser. Jusqu'à ce que tu rentreras dans ton royaume. Et là, tous les problèmes seront résolus. Tu as raison. Maintenant, la question est, comment vais-je la rendre enceinte? Et comment emmènerai-je un enfant âgé d'un jour à Ubuntu? Tu as trouvé un moyen de l'engrosser. Et puis, tu vas l'envoyer dans la maison de ton père. Après avoir mis au monde, toi et moi, nous allons aller avec les guerriers pour voler l'enfant. Comment fais-tu pour avoir une telle sagesse? Ugona, mon ami, va là-bas. Prends les colis que c'était amené de ton royaume. Nous devons voir Imbondo et on va lui donner. Et essaie aussi de l'intimider vraiment. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu vu un fantôme? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Voici ce que j'ai trouvé au lieu de tes habits. Refusons le mariage à nos jeunes filles n'a pas affecté que les filles dans ce royaume. Si seulement je n'étais pas un homme, hier, ma femme aurait déjà causé un grand problème. Elle a essayé de me tirer au lit, me forçant de coucher avec elle. Elle a même essayé d'emballer ses affaires pour rentrer dans son royaume, si je n'avais pas changé d'avis. Igwe, vous savez que je ne suis pas un homme qui a plusieurs voix, mais vous devez faire quelque chose. Ichie est bien. Igwe. Ezwoku. Igwe, kasikafua, Igwe. Qui penses-tu que nous pouvons faire pour empêcher cette calamité de tomber sur nous? Igwe, je pense qu'il faut que nous consultions le grand prêtre, afin qu'il nous dise ce que nous devons faire. C'est bien ça. Nous ferons juste ça. C'est impossible. Ça ne va pas arriver. Nous n'avons jamais eu de problème comme ça. Et le vélo a été volé. Mais cela est arrivé. Lorsqu'on avait visité les Igwe, hier, qu'est-ce que tu avais dit? Il enverra le grand prêtre
Non. Je suggère qu'on puisse visiter les grands maîtres en privé. Oui. Ce qui a conduit cette pierre-là sera détruit. Le grand serpent de Ubuntu la tuera. Et c'est le prochain jour du marché. J'ai besoin d'un sang royal pour restaurer la dignité et la fierté dans votre royaume. Grand sage, je travaille déjà sur ça. Et bientôt, je t'apporterai des bonnes nouvelles. Quand la fille sera enceinte, viens, je te donnerai une substance pour mettre sur son ventre. Et le grand serpent de Ubuntu prendra son bébé. Les grands sages, je savais que vous allez toujours trouver une solution. Et je ne doutais même pas une seconde. Merci beaucoup. Merci. Nous devons maintenant partir. Il n'y a pas de quoi. Aidez Anaebe Wain. N'en quittez. Allons-y. Vous pouvez y aller. Merci. Merci. Merci bien. Si vous m'en confiez à propos de ces problèmes, effectivement, les dieux ne sont pas d'accord avec la prophétie. Ils sont même en colère contre nous, en essayant d'arrêter cette mauvaise prophétie. Oh non. Igwe. Que pouvons-nous faire? Igwe, convoquez une réunion avec vos frères. Igwe Tchala, Igwe Folobi et Igwe Afunchuku. Parce que aussi les royaumes sont inclus dans cette prophétie. Tu as raison. Puissent-ils consulter leur dieu et voir ou entendre ce que le dieu va leur dire? Igwe, nous devons les faire vite. Oui, très vite. Igwe. Des dieux, l'envoyé des dieux dans ce grand, prospère et immense royaume d'Intioko. Et je suis de ma 25e année dans le service des dieux, comme grand prêtre. Et les dieux n'ont jamais, jamais échoué. Les dieux n'ont jamais échoué. Ils n'ont jamais rien dit qui ne s'est pas manifesté. Rien. En d'autres termes, les dieux sont toujours sages. Et à jamais, ils seront sages jusqu'à la fin des temps. Je ne parle pas quand les dieux n'ont rien dit. Je suis le Honoru de ce royaume. Et je suis donc privilégié de récolter toute information qu'aucun homme ne puisse avoir, à part moi. Essaies-tu de dire que les dieux vont vraiment nous visiter? Ou c'est la visite qui est liée à la prophétie? D'un lézard autour d'un arbre ne peut pas être déterminé par un être humain. Aucun humain. Et tout ce que fait le lézard autour d'un arbre
ne peut jamais, jamais être déterminée par un être humain. Mais il y a beaucoup de choses au-delà. Au-delà. Au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Et c'est Yato qui dit Nime. Je veux que tu te confies en moi. Tu es le frère de ma mère. Alors je suis ici pour savoir ce qui va venir. Allô, va-t'en. Va-t'en. Tu mets les dieux en colère. Tu mets les dieux en colère. Tu es sur le point de t'attirer une peine sévère. Tu es sur le point de t'attirer une sévère calamité sur toi et toute ta lignée. Va-t'en! Ce que tu dis, mets les dieux en colère. Je sers les esprits et non l'homme. Voici une substance. Ajoute-la juste à sa nourriture, c'est tout ce qu'il faut faire. Ok, pas de problème. Mais j'ai trop peur, mon prince. Tu sais que mon mari est rempli de sorcellerie dans son corps. Je ne sais pas, et s'il les découvrait? Il ne découvrira jamais. Écoute, j'ai obtenu ces substances auprès d'un grand sorcier, crois-moi. Okay. La seule chose que tu auras à faire est de la verser dans sa nourriture, c'est tout. Ok, je le ferai. Mais cela sera le week-end. Parce que le week-end, nous ne sortons pas. Alors, je pourrais le mettre. Mon prince, et si tu venais demain, nous pourrons le faire. On se fera toujours à la même endroit. Ok, okay. D'accord. Oui, mon mari. J'ai entendu des voix. Des voix? Mais où? Je suis en train de chanter. Je peux sentir l'odeur d'un être humain ici. Un humain? Mon mari, tes compétences de chasse ont fait en sorte que tu perçoives des animaux comme des humains. Hein? Tes charmes vont te faire tomber un jour. Comment oses-tu me souhaiter la mort? Je suis désolée. Ogola. Ogola. Ogona. Je suis à l'écoute. Ogona. Oui. Je t'ai appelé combien de fois? Je ne sais pas. Plusieurs fois. Dis-moi, dis-moi la vérité. Du plus profond de ton cœur. Vas-tu vraiment épouser Obianeju? Je veux dire, si finalement elle réussit à te donner un enfant, qui va t'aider à retourner dans ton royaume? Bon. Ma plus grande inquiétude est que comment Udo va réagir quand il découvrira que je fais en sorte que sa femme l'abandonne. Tu n'épouseras pas Obianeju. Pourquoi? C'est quoi la raison? Sa mère était sorcière. Sorcière? Oui. Elle était bannie de ses royaumes. Sorcière? C'est pour cela qu'on fait cette affaire en cachette avec Oigné. Uche, es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Ukuna, je suis le prince de ces royaumes. C'est lui qui va prendre le trône de ces royaumes. Si je te dis quelque chose, c'est la vérité. Je t'ai dit juste la vérité pour ta réussite. Ma princesse, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez aller voir le prêtre.
Dites-lui que c'est moi qui vous ai envoyé. Il sait ce qu'il va faire. Je ne comprends rien du tout, Ada. Les dieux travaillent avec les humains. Nous sommes comme les instruments dans leurs mains. Et le jour ne fait que s'y rapprocher. De quel jour parles-tu? Ma princesse, je ne suis qu'une messagère. Les prêtres et les yeux des dieux. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais ne le dites pas à votre père, le roi, sinon vous mourrez. De la maison de l'homme en flèche. Je me sens menacé avec la venue de l'enfant maléfique. D'après notre miroir, l'enfant proviendra de Intioku, ce royaume. Iguadoku, la balle est dans ton camp. C'est à ton tour de nous défendre. Si cet enfant maudit naîtra dans mon royaume, alors je crois que toute la concentration sera tournée vers mon royaume. Exact. Comment? Envoyez vos guerriers pour qu'ils mettent à bien garder mes frontières, afin qu'aucune jeune fille n'entre dans votre royaume dans le but de voir un homme. Deuxièmement, et nous, en tant que roi, devons voler comme des vautours afin de veiller sur nos familles et nos royaumes, afin qu'aucune fille ni aucun homme n'essaye de faire quelque chose de stupide. Nous ne devons pas échouer parce que nos pères nous ont confié cette mission. Lève-toi. La fille des dieux, les dieux du grand, ancien et noble royaume d'Intioku. La grande fille des dieux. Avant-hier, la fille des dieux, Adam, m'avait dit de passer vous voir. Oui. Oui. Grande fille de nos dieux. Tu as été trouvée digne par les dieux du grand royaume d'Intioku. Tu as été trouvée digne. Digne de devenir le futur de ce grand royaume. Tu as été trouvé digne de devenir le futur de tous ces royaumes, de ces grands anciens et royaumes d'Intioku. L'œil de Dieu. Mm-hmm. Pourquoi moi? Comment? Je ne comprends pas. Tu ne comprendras pas pour l'instant, mais tu vas définitivement comprendre quand viendra le moment.
Je vais te présenter devant les divinités, devant les dieux de ce grand royaume d'Ntioko. Mets-toi à genoux. Montre tes mains. La grande fille des dieux, le futur de ce royaume. Oui. Une bataille anticipée ne fait pas de mal à un homme faible. Le grand fruit tombe en ce moment propice. Le serpent ne te mordra ni te touchera. Sinon, ce serpent se cassera le cou. Igwe, est-ce qu'il y aura la guerre? J'ai vu le chef des guerriers encore aujourd'hui. Et un autre guerrier dans notre royaume, en train de sillonner dans nos frontières, et à ma grande surprise, j'ai découvert que vous avez ordonné cela et qu'ils vont patrouiller les frontières jour et nuit. Igwe, qu'est-ce qui se passe? Igwe, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre, mes chers anciens, depuis le jour qu'il est devenu ainsi, comme un guerrier, il est devenu un traître pour Ishionofia. Ishionofia, le vent de palme n'est pas bien pour toi. Quand une chose n'est pas bien pour toi, tu n'as qu'à laisser. Ça trouble ton cerveau. Tu deviens comme un fou. Arrête. Voilà, Igwe. Contrôle ton langage. Assez. Ishionofia. Igwe, ma femme m'avait dit lorsqu'elle venait du champ qu'elle a vu quelques guerriers du royaume du Zomo. Patrouillant dans la forêt. Que veut dire tout ça? Je ne comprends pas. L'information qui m'est parvenue dit que l'enfant maudit naîtra dans ce royaume de Ntioko. Ça n'arrivera pas. Et pour que nous arrêtions cela, je dois employer les services des soldats des autres royaumes, de contrôler et de chercher toute jeune fille qui osera tenter d'enfreindre la loi. C'est un problème. Itié, Okobi, mais concernant ton opinion que tu as appelé toutes ces personnes, nous avons vu le danger de ce qui va arriver. Et Igwe, tout cela veut dire que nos femmes royales planifient une protestation
Et très bientôt, elles seront dans ces palais. Oui, oui. Igwe, ma femme est celle qui conduit la protestation. Voilà. Au moment où nous parlons, elle m'a menacé de retourner à son royaume. Grand merci au guerrier qui l'a empêché d'embarquer dans un tel voyage. Mais mes inquiétudes actuelles sont... D'où proviendra cet enfant maléfique exactement? Et qui sera son père? Salutations, papa. Salutations, ma fille de valeur inestimable. Assieds-toi. Merci, papa. Papa, je suis venue te demander quelque chose. Oui, tout oui, ma fille. S'il te plaît, papa, depuis que mon frère Prince Iken a quitté ce palais et s'est rendu au royaume de Bata, je ne sais vraiment pas comment il se porte. Et je pense que je pourrai aller le voir chaque week-end. Mais je n'arriverai pas à cause du barrage. Alors... Ma fille, tu as très bien parlé. Je vais instruire au guerrier de t'accompagner voir le prince Ugona, ton frère. Merci beaucoup, papa. Très bien. Papa, je dois maintenant te laisser. Merci. Nam, m'as-tu appelé? Exact, je t'ai appelé. Par respect pour l'enfant maléfique. Avez-vous retrouvé la famille ou celle qui portera l'enfant? Dans notre dernière réunion, Igwe nous a dit que l'enfant naîtra dans ce royaume même. Mais il ne nous a pas dit exactement qui et dans quelle famille ce même enfant-là naîtra. Où est-ce que Igwe a reçu cette information? Où était ce grand prêtre qui lui a dit ça? Je suis aussi confus que toi. J'ai croisé le grand prêtre sur mon chemin. Et j'ai demandé. Le grand prêtre a nié. Tout ce dont j'étais en train de parler. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Naï. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout partout. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de secrets se cachant derrière cette prophétie. Va à l'intérieur et continue avec ce que tu fais. Laisse-moi fixer cette chose ici. Mon prince, je t'avais dit pour mon mari Odo. Il a l'antidote pour tout le fétiche. Es-tu sûr d'avoir mis la substance dans sa nourriture? Tu me fais plus confiance. Je le fais et cela fait déjà des semaines. Et il est toujours en vie? Il doit être mort, sinon il va savoir que tu es tombée enceinte de moi, hein? Mon prince, en tout cas ne te dérange pas. Une fois qu'il découvrira que je suis enceinte, il n'aura pas d'autres options que de me chasser. Donc tu vois, est-ce que tu crois que... Il a couché avec moi seulement une fois et c'était au dernier festival des Nouvel An. Pourquoi? As-tu oublié ce qu'il est? Le grand guerrier du royaume d'Obata. Toutes les filles du village lui donnent leur corps et c'est même quand ils ne le demandent pas. Regarde. Une fois que mes plans auront marché envers lui, je vais te prendre comme une reine.
Es-tu sûr? Oui. Parce que ce guerrier ne te mérite pas. Tu vaux mieux qu'un trésor. Vraiment? Ok. Faisons ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon prince? Mon prince, qu'est-ce qu'il y a? Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Qu'est-ce qu'il y a? Mon prince! Mon prince! Mon prince, s'il te plaît! Mon prince! Mon prince! Mon prince, parle-moi! Mon prince! Mon prince, qu'est-ce qu'il y a? Mon prince, ne me fait pas ça! Mon prince, ne me fait pas ça! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince, mon prince, mon prince, s'il te plaît, ne me fais pas ça, mon prince. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. De ma fille. Oui, maman. Tu sais, tu grandis en étant une très belle fille. Tu sais, il y a des années passées, tu m'as demandé qui était ton père. Et je te disais que je te le dirais au moment opportun. Et ce moment est arrivé. Ton père s'appelle Udo et il est le chef de guerriers au royaume d'Obanda. Donc mon père n'est pas de ce royaume? Bien sûr, ma fille. Écoute, ma meilleure amie et aussi ma sœur m'a promis. Elle a promis de t'amener chez ton père. Parce que la dernière fois que j'étais allée, il nous avait rejetés, toi et moi. Mais pourquoi? Ma fille, c'est une longue histoire. C'est parce que je ne lui avais pas donné un garçon. C'était la seule raison qui faisait en sorte qu'il me déteste. Et qu'est-ce que mon père avait dit à propos de ça? Tu sais très bien qu'il est du genre timide. Il n'a rien dit du tout. Je suis toujours en train d'attendre qu'il décide. D'accord. Attendons juste à entendre ce qu'il dira à propos de ça. Bien sûr, ma fille. Dépêche parce que le soleil se couche déjà. Oui, maman. Nous avons beaucoup marché, j'espère qu'on peut se reposer. Souviens-toi, on a un long trajet à faire. On pourrait se reposer ici ou bien là-bas. Tu as raison, je crois que nous devons trouver un endroit pour se reposer avant qu'on continue. Please. Bonne personne. Pas. N'ose pas manger quelque chose. Pas. Pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma princesse, je pense que nous devons partir. Tout va bien? Oui, allons-y. Partons, s'il vous plaît. Oh. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, il n'y a rien du tout. Partons justement. Allons-y. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu sembles inquiet. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tout va bien, mon grand guerrier. Où vas-tu? Comme tu peux le voir, je pars au champ pour voir ma femme. Je veux te dire quelque chose. Tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Amodo, le grand guerrier, je garde toujours les secrets. J'ai vu le prince mort dans la brousse. Sûr que ce qu'il vient de dire. Je suis très très sûr. Mais s'il te plaît, garde-les comme secret. Ancien de notre terre. Igwe. Les rivières se sont taries. Les dieux ont parlé dans une langue que nous ne comprenons pas. La mort du prince Ogonna demeure un mystère pour moi. Que faisons-nous? Igwe, la question que nous devons nous poser est que qu'est-ce qu'il était en train de faire sur la route du champ? A-t-il un champ de manioc ou un champ de gnam? Non! Parce que je sais qu'il n'était pas un fermier. Peut-être qu'il était parti là-bas avec quelqu'un. Ou bien il était parti là-bas pour voir quelqu'un. Oh oui, exactement. J'aurais bien invité Suchi ici. Mais il est totalement dévasté. Je pense que je ferai ça plus tard. Majesté! Nous devrions faire appeler le grand prêtre très vite avant que la nouvelle ne parvienne au royaume de Ntchoko. Parce que la mauvaise nouvelle se répand plus vite que la bonne nouvelle. Je crois que quelques villageois ont vu le guerrier amenant le prince mort au palais. Tu as raison. Merci. Comment va ton père, Igualoke? Nous allons tous bien. Je suis venu visiter mon frère, le prince. Vous pouvez voir que nous sommes en réunion. Par respect à ce qui est arrivé au prince Ogonna, il y a quelques heures de cela. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma princesse. Nous nous préparons d'envoyer un message au royaume d'Ntchoko. Prince Ogonna, ton frère, était à la rivière pour se laver, sans informer la maison royale. Et en rentrant, il est tombé et il est mort. Quoi? Princesse! Princesse! Oh, mon princesse! Écoute-moi bien. Oui, mon prince. Dis-moi, est-ce qu'il t'avait touché avant de tomber? Mon prince, il était sur le point de le faire. Et quand il a commencé à crier, il est tombé et mort instantanément. Ça, c'est vraiment un problème. La princesse et le chef des guerriers viennent de la chercher il n'y a pas longtemps. Cela veut dire simplement que toute la communauté est au courant de cela. Est-ce qu'on t'avait vu? Non, je ne crois pas, mon prince. Très bien, alors, je veux que ça reste ainsi. Ok. J'ai d'avoir les grands Ubuntu à la seconde. Mais pourquoi, mon prince? Laisse tomber. Tu peux partir.
Ok, mon prince. Le grand Ibutu, que se passe-t-il? Ne dis plus un mot. Le dieu de Intioko a pris le prince Ogonna pour sa tétutesse. Pars avant qu'il ne prenne ta vie. Pars! La mouche têtue suit le cadavre jusque dans la tombe. Igwe, je suspecte que quelque chose doit être arrivé à la princesse et au guerrier. Considérant l'heure qu'il est maintenant. Non. Les dieux du royaume d'Intioko ne peuvent jamais abandonner la princesse. Igwe, je suis sûr que la princesse a décidé de rester juste pour être avec son frère. Vous savez, ça fait déjà longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez? S'il ne revient pas jusqu'à demain, j'enverrai le guerrier. Allez le chercher dans le royaume d'Obanta. Igwe, on doit partir en guerre. Obanta doit être détruit. Obanta a touché la queue du tigre venant de la famille royale. Alors le villageois doit payer pour ça, Igwe. On doit partir en guerre. Ekene, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu furieux? La guerre en ces moments? Ekene, calme-toi et explique-nous. Pourquoi devons-nous aller en guerre en ce moment précis, alors que le royaume d'Intioko a beaucoup d'affaires en main en ce moment? Vous voulez que je vous le dise? Dis-nous, Ekene. Papa, le prince Ogonna est mort. Quoi? Hey, comment ça? Voilà ce que je voulais vous dire. Ogonna est mort. Igwe, j'ai donné mon message. On doit partir en guerre. Allons-y. Non, c'est très grave ça. Intioko. Comment un prince peut mourir comme ça? Je crois que le royaume de Obanta l'a tué à cause de la jalousie. Ah, tu sais que le prince Ogonna aime les corps des femmes par-dessus tout. Je crois que ce sont les mêmes femmes qui ont conspiré pour les tuer à cause de son impudicité. Onyeka, Tu parles beaucoup. J'ai entendu qu'il venait de la rivière et c'est là que les dieux l'ont tué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les dieux ne peuvent pas faire une telle chose. Ils sont ceux qui l'ont tué. Tu penses qu'ils sont en train de te tromper? Tu peux aller leur demander. Tu peux aller demander, s'il te plaît. Allons-y. Attends. S'est passé dans le royaume d'Intioko. Je n'arrive pas à voir le maître des dieux. C'est dont nous devons parler et de trouver un moyen de récupérer les corps
Je pense à Mbata. Bientôt, Mbata enverra les corps ici. Oui, Igwe. Fixons une date pour envoyer le guerrier, afin qu'il ramène le corps du prince pour l'enterrement. Et pour le guerrier, nous allons les mettre en ordre. Ah, c'est vrai, mais nous savons tous que Kené est le fils de ma sœur. Il a menacé d'éradiquer Mbata. Début la maison royale jusqu'aux villageois. Tout ce qu'il dit, il va le faire. Je le connais très bien. Alors il faut que nous le fassions. Il le faut vraiment. Il le faut vraiment. Il le faut. Igwe. Etienne, que vos jours soient longs. Peut-être que tu le point de te faire appeler avant que tu n'entres avec tes grands guerriers. Les anciens et moi avons décidé que le corps du prince Ugona doit être ramené du royaume de Banta pour un bon enterrement, avant que quoi que ce soit n'arrive. Parce que le royaume de Banta est notre frère. Si vous voulez mon avis, le sang de notre prince ne peut pas partir sans vengeance. Obanta doit payer pour le sang royal qu'ils ont fait couler. Je veux que tu me dises avec pied, et rien que la vérité. J'ai personnellement observé comment est-ce que toi et le prince êtes devenus très proches depuis qu'il est venu dans notre royaume. Et depuis que je fais cette observation, tu es vraiment proche, très proche, que vous vous confiez l'un à l'autre. Je viens de dîner, père. Oui. J'étais attaché au prince Ugona. Mais concernant sa vie privée, je te dis, père, je ne connais rien du tout. Mon fils. Je te dis quoi que ce soit. Pendant ce jour même où il est mort sur la route du champ, je ne connaissais rien du tout. Je ne vais pas être un menteur. Il m'avait juste dit qu'il allait vers les villages pour voir les enfants. Et puis, il n'est plus rentré. Et comment donc est-il mort sur la route du champ? Cela est un mystère et je n'en sais rien du tout, père. J'ai demandé à toutes les servantes si le prince Ugona avec quelque chose à faire avec une servante. Elles ont dit non. Mais c'est qui que... d'abord, peut entraîner une guerre entre le royaume de Obanta ainsi que le royaume d'ici autour, malgré le fait que nous sommes frères d'un même ventre. Igwe Onoka. Désolé de t'avoir appelé par ton nom, père. Mais tu es le grand Igwe Onoka, le premier de ces royaumes. Est-ce qu'il faut que je te rappelle? Des grands lutteurs et des très grands guerriers qui peuvent chaque jour à tout moment se battre contre les guerriers de Uchubu dans toutes les situations. Pourquoi tu étais venu dans ce royaume? Je pensais qu'on était d'accord de les garder en secret. Bien sûr qu'on l'a fait. Tu as rompu ta propre partie de l'accord. Je ne comprends pas. Qui est Onéni? N'ose même pas aller là-bas. Je ne comprends pas, mais pourquoi? On était d'accord que tu allais me donner un enfant, garçon. Mais tu ne respectes pas ton accord. Mais tu veux savoir que je ne suis pas le Tchiki qui décide le CRC de l'enfant. Ne me dis pas ça. Tu dois aussi comprendre que c'est ce que tu déposes en moi qui donne des enfants.
Je suis venue juste te dire que je viens te déposer ta fille qui atteint déjà 14 ans. Tu dépasses le niveau. Souviens-toi, je suis Omodo, le plus grand guerrier du royaume de Obata. Ose encore, sinon tu auras affaire avec mon épée. Et tu penses que tu vas m'intimider avec le titre que tu occupes dans cette communauté? En tout cas, je ne veux plus les tolérer. On verra bien. On verra bien. Ah. Mes chers anciens de notre royaume, la mort du prince Oguna a rendu la situation très sérieuse. Premièrement, les dieux avaient paralysé sa main et ça fait durer beaucoup. Deuxièmement, il était banni de ses royaumes. Troisièmement, le même homme a été guéri miraculeusement. Et lorsqu'on pensait que les dieux l'avaient pardonné, et maintenant, il est mort. Oh non! Mon observation est que le roi n'est même pas du tout inquiet concernant la mort de son fils unique, le prince. L'héritier au trône de ce royaume, ce grand royaume d'Ntioko. Nous approcher le grand prêtre à propos de ce problème pertinent. Mais il m'a rendu encore bien plus confus, comme chacun de nous assis ici. Je sais que la main des dieux ne peuvent être enlevées de la mort du prince Oguna. Le curieux en fait, et Kélé et ses hommes sont en train de menacer d'aller en guerre contre le royaume d'Obanta pour la mort du prince Oguna. Onowu, nous sommes les faiseurs de rois de ce royaume. Le Igwe ne peut pas nous rouler juste comme ça. Nous devons agir maintenant. Mais mon seul problème maintenant, c'est comment faire pour empêcher les guerriers d'aller à la guerre. En regardant le royaume de Ntioko, ma princesse, en vous repose le nouveau roi. Très bientôt, ses fils vont briller et nous les verrons tous. Oui, le prince Oguna a fait mal fait, mais il devrait le pardonner. Ma princesse, les voix des dieux sont très différentes de nous, les humains. Dis-moi, qu'est-ce qui a tué mon frère? Je devrais aller voir le grand prêtre, mais pour la mort de mon frère, je ne peux aller nulle part. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a tué? Parce que le guerrier prépare la guerre. Dis-moi, ma princesse, puisque nous ne saurons guérir les maux de Dieu. Oh bien, nous sommes. Je perds de ce royaume. Comment est-ce que le prince peut mourir mystérieusement? Comme ça, Sam, on l'a dit qu'il pourra mener à la mort. Même le grand prêtre dit que le dieu a rejeté son cadavre. Mais j'étais avec lui hier. Mon mari, je suis sûr que la mort de prince Oguna est causée par le dieu. Mais pourquoi tu dis ça? Premièrement, il a été banni à cause de sa mauvaise main. Et mystérieusement, elle était guérie. Et maintenant, il est mort d'une mort tellement étrange. Je me disais même que si c'était ici, dans notre village, il allait être brûlé dans cette forêt diabolique. Mais essayez un peu d'y réfléchir. Qu'est-ce que le prince Oguna faisait dans le champ tout seul?
du royaume d'Obanta. Après tout, il est un prince et non un fermier. Ça, c'est la chose qui me retient inquiet. L'as-tu déjà vu au champ avant? Non. Je l'ai rencontré qu'une seule fois, quand il partait visiter le prince Outier au palais. Tu es sûr? Quel genre de question est-ce? Parce que vous, les femmes, vous aimez garder beaucoup de choses. Bon, peu importe, va cuisiner. Princesse, les palais sont en train de se diffuser de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma princesse, Ego et Ugoma veulent s'associer à nous. Pas dans ces palais. Je vais directement les chasser. Ma princesse, réveille-toi! Tu vois le? Avance, guerrier! Ah, mon père, Obanta doit payer pour le prince. Obanta doit payer pour le sang de notre prince. Oui. Allons. Majesté, ça c'est une abomination. Comment pouvons-nous faire le bien et notre récompense être le sang? Il faut que nous allions en guerre, mon roi. C'est le temps pour nous de connaître les grands guerriers. Pas quand ils sont prêts. Oudo, nous, anciens des Abanta, sommes vraiment déçus. Mais comme on dit, si tu bats un enfant, avec la main droite, tu vas aussi tenir son dos avec ta main gauche. Il faut que tu nous ramènes la tête de Ekene, le guerrier ici au palais. Igwe, nous devons envoyer un message à Igwe Aloko et aux guerriers des royaumes d'Obanta. Tu as raison. Et pourquoi les dieux acceptent vraiment que les guerriers des royaumes d'Obanta... Bien parlé. Igwe. Voilà. Igwe, nous sommes désolés. Nous ne savons pas que c'était comme ça. Nous devons nous venger à mémoire de nos amis guerriers. Igwe. Comme je vous le dis maintenant, les autres guerriers sont vraiment en colère. Igwe, donne-nous la permission d'aller en guerre contre le royaume d'Intsuko. Les âmes de mes guerriers ne veulent pas se reposer en paix jusqu'à ce qu'on va les battre. Igwe! Vous avez tous bien parlé. La guerre sera une distraction pour la grande bataille que nous avons contre la prophétie. Souvenez-vous bien,
et mettez-les dans vos têtes que le grand royaume de Ntioko est notre propre frère. Nous devons jouer au fou et être patients, car la patience paye toujours. Majesté, la princesse Ma va bien, en bonne santé. Pas besoin de s'inquiéter. Les dieux sont avec elle. L'aigle des dieux, c'était comme ça le prince Ujuna a été tué au royaume d'Umbata. Allons-nous nous asseoir et regarder la princesse Ma traverser de ça tout seul. Aigle des dieux. Oui, majesté. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé et qui l'a conduite jusqu'à perdre connaissance? Majesté. La princesse Ma va bien. Elle n'a pas de fièvre. Elle porte l'enfant. Comment? La prophétie de nos dieux vient de s'accomplir. L'œil des dieux, mais qui? Votre Majesté, qui est vraiment le responsable? Milka Igwe. Oui. D'autres servantes se plaignent à cause de votre nouvelle attitude. Non, princesse, nous n'avons rien fait de mal à qui que ce soit. C'est sûr que tout ce que les servantes vous ont dit sont de faussetés. Elles n'ont pas dit quelque chose de mal concernant vous deux. Mais elles m'ont dit que toutes les dés, vous étiez en train d'accéler d'autres servantes pour aucune raison. Non, princesse, nous ne sommes jamais comportés de cette manière. Pourtant, nous sommes en bon terme avec toutes les servantes. Je ne sais pas pourquoi elles nous acquisent de cette façon. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon. Allons-y. Le royaume de Ntioko. Comment on peut devenir enceinte sans passer par une femme? Princesse Nzoma ne dit pas la vérité. C'est vrai ce que tu dis. Je suppose que ton père est l'un des chefs du cabinet de Igwe. Et qu'il prenne ce genre de décisions. Alors, qui l'a rendue grosse? Viens, je suspecte quelques personnes. Quelques personnes? Qui? Je suspecte Ekene, le chef des guerriers. Je suspecte Ekene, le chef des guerriers. Et le prince Emeka. Mais pourquoi tu les suspectes? Bien, en ce qui me concerne. Je crois que c'est pendant qu'il voyageait dans le royaume de Obanta. Ekene l'a fait. Je crois que le prince Ozuna a devancé le chef des guerriers pour être en contact avec le prince Emeka. Ainsi, ils ont fini par le faire. Et sûrement, tes analyses sont correctes. Eh non, j'ai toujours raison. Mais, pour Ekene, je ne crois pas à cela. Alors, pourquoi Igwe et son cabinet sont contre cet enfant qui doit naître? Je ne sais pas. Je ne travaille pas dans ce cabinet. Je ne connais rien à propos de ça. S'il te plaît, arrête de me poser des questions. Allez, reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Cette grossesse, c'est pour le prince Emekao. Tu m'appelleras encore pour te dire une autre chose. On te dit la vérité, tu ne veux pas écouter. Tu peux t'en aller. Du n'importe quoi. Je n'ai jamais connu aucun homme et même en dehors de ce royaume. Si on parlait du prince Emeka, il m'a jamais visité en secret. Et depuis qu'il a quitté ce royaume. Ma princesse, il faut que tu me dises la simple vérité. Afin que je demande l'indulgence pour toi. Comme un père. Et comme le roi de ce royaume. Parce que ce que tu portes est une abomination pour notre royaume. Toi et la personne qui en est responsable. Devez être tué et enterré dans la forêt maudite. Je suis prête à mourir.
J'ai dit toute la vérité. Mais si je meurs à cause d'une chose que je ne sais pas, le royaume d'Ichiyoku ne connaîtra jamais la paix. L'enfant que la princesse Uma porte dans son sein est très spécial. Celui qui osera tuer la princesse Uma ou l'enfant qui est dans son sein apportera une grande calamité sur le royaume de Ichiyoku. Bientôt se réunir afin de déterminer ton sort. Ekene, vous avez commis une abomination à Obanta. Comment pouvais-tu combattre un guerrier qui est envoyé en mission par le roi? Tu m'as promis que vous alliez là-bas en paix, seulement pour enterrer le prince Ugona. Par conséquent, tu es suspendu comme le guerrier en chef du royaume d'Ichiyoku. Igwe, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, l'esprit du prince peut y reposer en paix. Son âme peut même reposer en pièces. Je m'en fous. Maintenant, va loin de ma présence. Garde! J'espère que j'avais envoyé le garde pour t'informer. Pour te dire pourquoi mon père avait réagi ainsi la dernière fois que tu étais venue. Ma princesse, je suis vraiment désolé. J'étais malade. Sinon, je serais venu. Nous avons consulté nos dieux à cet effet. Mais les dieux ont dit que il y a des choses secrètes dans tout ce qui se passe dans le royaume des dieux. Ma princesse, nous pouvons encore nous marier. Si seulement tu le veux bien, ma princesse. Nous sommes faits pour être ensemble. Je vais t'attendre, peu importe ce qu'il arrivera. Tu es la reine mère des Ajane. Tu es ma reine. Mais c'est déjà trop tard, parce que je porte un enfant. Comment, princesse Ma? Je ne sais pas. Tu es... Seneca, seule la mouche te tue. Suis le cadavre jusqu'à la tombe. On vous avait prévenu de ne plus poser vos pieds dans ce royaume, mais vous avez refusé. Il vous a ordonné de vous arrêter et de vous envoyer aux esclaves. Avancez maintenant. Non. Avancez. Non. Avancez maintenant. Avance. Avance. Avant que je vous touche. Avance vite. Avancez. Laisse-moi. Avancez. Laisse-moi, je vais aller voir. Laisse-moi. Attendez. Ils vont les tuer. Igwe, ce qui est arrivé à la maison royale est un sacrilège du dernier niveau. La princesse Ma doit nous dire à tous qui l'a rendue enceinte. Onou, je l'ai appelée et je lui ai parlé. Je lui ai posé des questions plusieurs fois, mais il n'a pas arrêté d'insister qu'il n'y a aucun homme qui l'a mise enceinte. Nous savons tous que dans ces royaumes, aucune femme ne peut être enceinte sans que l'homme l'engrosse. Peu importe. Igwe, si elle refuse de nous dire la vérité, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous connaissons tous que ce qu'elle porte, c'est une abomination pour ces royaumes. Bien sûr. Igwe, ce qui se tient devant nous est une grande calamité. Nous devons agir très vite. Je suggère que nous disions au messager d'informer tout le village de l'acte abominable de la princesse Ma. Il faut qu'on la tue et qu'on l'enterre dans la forêt maudite. Juste comme son frère,
le prince Ugona. Igwe! Puisque le grand prêtre n'a pas annoncé la grossesse de Ma attend qu'une abomination, je crois qu'on doit être patient et regarder ce que va donner, enfin ce que va sortir la grossesse, quoi. La princesse Sima n'a pas été trouvée dehors le palais royal depuis que la préparation du mariage royal a été embarrassée. Et deuxièmement, le docteur familial n'a pas prononcé sa grossesse comme une abomination. Vraiment? Oui, Igwe. Et tiens à moi. Igwe. Ton feu père était un homme d'honneur et de sagesse. Merci Il beaucoup, Igwe. Il a largement contribué au développement de notre royaume. Bien sûr, Igwe. Mais là, je viens de découvrir que tu n'es pas du tout comme ton père. Et tu n'as rien du tout à offrir à ce royaume. Tu es donc désormais suspendu de ce palais. Igwe. Pour avoir fait une suggestion qui pourrait détruire notre royaume d'Intioko. Igwe. Igwe. Mais va-t'en d'ici, essaie de... non? Je dis va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Il tient quoi? N'importe quoi. Igwe, va-t'en. Qu'est-ce que j'ai fait? Pars, va-t'en du palais. Fais vite. Je dis va-t'en. Oui. Oui, vas-y, pars d'ici. Hey. Il tient. Va-t'en. Oui, va-t'en. Oh bien osé. Pourquoi tu te tiens debout? Viens t'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Trois fois avant-hier, tu avais refusé d'accepter mes salutations. Et c'est maintenant que tu veux t'approcher de moi. Oh, je suis désolé, oh bien osé. S'il te plaît, assis-toi. Je veux causer avec toi. Tu sais, ce que tu ne peux pas me donner, je vais sortir pour aller le chercher. Je ne comprends pas. Nous sommes mariés depuis quelque temps maintenant. Aucun enfant. Je suis le commandant des guerriers du royaume de Banta. Ils ont commencé à me surnommer. Ils ont commencé à me surnommer en disant le chef stérile. Certains m'appellent d'ailleurs guerrier femme. Sois prête à avoir une rivale. Et je pense que c'est cette fille, Onye. Oh, qui d'autre si ce n'est pas Onye? Et pas dans cette maison. Je ne peux pas permettre qu'une autre femme vienne hériter quand elle n'a pas un garçon. C'est impossible. Petit défié, Onye. Je savais que c'était Onye. On verra bien. Toi. Je pense que je commence un peu trop à penser. Ne t'inquiète pas, hein. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Arrête de trop penser sur ça. Oublie ça. Ne t'inquiète pas. Personne ne mourra. Est-ce que la nourriture est prête? Oui, mon mari. Mais pendant que tu seras en train d'attendre que la nourriture soit cuite, je sais que tu n'aimes pas qu'on discute quand tu manges. Je veux qu'on discute sur une chose très importante. Très, très importante. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ma nourriture? Mon mari, tu n'as jamais pensé qu'un jour, tu peux être le prochain Igwe de ce royaume? Non. Pourquoi cette question? En cet instant de notre vie. Mon mari, tu es le Onowu de ce royaume. Le second qui commande. Si Igwe meurt aujourd'hui, penses-tu qu'il sera le prochain Igwe?
tenant compte de la situation actuelle, que le prince Ugona est mort. Pas serré. Tu le seras, selon la tradition. Tu le seras. Mais la princesse est enceinte. Mais elle va être tuée à cause de notre tradition. Parce qu'elle porte un enfant maléfique. Tu vois. Tu verras. Le Igwe est encore dans sa forme. Pourquoi cette pensée négative soudaine? Mon mari. Pense sur le fait que tu deviendras le prochain Igwe de ce royaume. Parce que notre discussion a une raison d'être. Dont il s'agit de comment devenir le prochain Igwe. Le peuple du royaume d'Intuku, les rois déclarent que la princesse Ma sera tuée dans la forêt maléfique parce qu'elle porte l'enfant maudit. Peuple du royaume d'Intuku, les rois déclarent que la princesse Ma sera tuée dans la forêt maléfique parce qu'elle porte un enfant maudit. Informez à vos voisins au... Je suis venue te voir. Je suis venue te voir. Et donc, tu as vraiment réussi. Tu as vraiment réussi en donnant mon mari une portion d'amour. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça ne marchera jamais. Écoute, hein, ça sera toi et moi dans cette communauté. Parce que cette maison que tu penses venir habiter n'a pas été faite pour toi. Je ne veux pas permettre que cela arrive. Oh bien, Nudjou, je suis préparée pour toi. Mm-hmm. Je suis prête pour toi. Toutes ces menaces ne me font rien du tout. Tu ne me fais pas peur. Oh, tu crois que tu peux me tuer comme tu le fais dans la brousse avec tout le monde. Essaie de le faire, tu verras. Essaie de le faire. Je vais alerter toute la communauté. Tu seras exposée. Essaie de le faire, non? Mère Prière, tu es vraiment éhontée. Tu as les clous de venir dans ma maison pour faire de bruit. Tu n'as vraiment pas honte. Stupide que tu es. Mère Prière. Ce que Nohu a dit ne peut pas lui garantir une suspension du palais. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut parler de cette façon? Tu n'étais pas là lorsque Nohu avait accusé le Igwe de tenter de tuer la princesse. C'est sa fille survivante. N'étais-tu pas là-bas? Ichi, je pense vraiment que tu as raison. Oui, tu as vraiment raison. J'ai toujours raison. Peut-être que tu seras le prochain à être suspendu de ce palais. Ichonofia, vas-tu me laisser ici? Mais attends, on est ensemble, n'est-ce pas? Tu veux me laisser ici? Non, je ne te laisse pas. Oh, mon mari. Mais qu'est-ce que tu prépares? Et ça sent comme ça. Mais qu'est-ce que tu célèbres? Ou bien tu veux exiger quelque chose chez moi? Mon très cher mari, je ne suis pas en train de célébrer. Et je ne vais non plus te demander quelque chose. Tu vois cette nourriture? Je l'ai préparée uniquement pour toi et pour célébrer l'arrivée de notre nouvelle femme. Donc, tu n'es plus contre à l'idée que je vais épouser notre femme? Tu vois, mon mari, j'ai enfin réalisé que si je ne donne pas naissance,
C'est la volonté de Dieu. Et tu sais que personne ne peut se battre avec le Dieu. Alors j'ai décidé de te soutenir et t'encourager. D'aller épouser notre nouvelle femme aussitôt que possible pour qu'elle puisse me soutenir à la maison et au champ aussi. Est-ce que toutes ces paroles viennent vraiment de toi? Je veux dire, est-ce que tu parles de tout ton cœur? Cela veut dire que quelqu'un ne peut plus s'améliorer. De toutes les façons, je suis vraiment désolée de la manière dont je t'avais répondu concernant ces problèmes. Peu importe, merci et continue ce que tu fais. Ok, oh. Ta nourriture sera bientôt prête. Bientôt, ça sera prête. Ma princesse, ne vous mettez pas à pleurer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Personne ne mourra. Les dieux sont en train de combattre pour vous. Ce qui se passe montre réellement que les mains de Dieu sont en train de travailler sur vous. Et ma princesse, sachez que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comment les dieux peuvent être si méchants en me choisissant pour mettre au monde un enfant qui va détruire ce royaume? Maintenant, j'ai subi la moquerie. Ils m'ont rejeté. Maintenant, je vais être tuée et brûlée dans cette forêt diabolique. Ma princesse, ce que vous ne connaissez pas est plus grand que vous. Les voies de Dieu sont très différentes de nous, les humains. Vous avez été choisis pour accomplir la prophétie. Je ne peux pas faire face à cette honte qui m'enveloppe partout dans ces royaumes, avant même ma propre mort. J'aimerais bien m'empoisonner dans ces palais et mourir. Faites attention à ce que vous dites. Les dieux sont sages. Vous avez été choisis par les dieux pour relever le peuple du royaume de Omitsuko de leur fardeau en donnant naissance à un enfant qui est un don de Dieu pour le royaume de Otoko. Tu parles de faveur et d'élévation. Donnant naissance à un grand enfant pendant que je suis sur le point de mourir dans une forêt diabolique. C'est de la honte d'un royaume tout entier. Parce que je serai la première personne à mourir de cette façon. Non, je ne peux pas tolérer la honte. Ma princesse, les dieux sont sages. L'enfant que vous portez dans votre sein fait partie de votre destinée. Les guerriers préparent la guerre. Ils attendent que l'enterrement du prince. Mais où sont les dieux pour les arrêter? Je suis en train de porter une grossesse, mais je ne connais pas les responsables. Je suis maintenant une honte pour toutes les filles de ces royaumes. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue, les anciens. Onou. Onou. Ethiopia. J'étais dans ta maison l'autre jour. Mais ta femme m'avait dit que tu étais allé au champ pour vérifier tes pièges. Bien, pour la question que vous m'avez demandée,
Je n'ai aucune idée sur ça. Bien, laissez-moi vous dire. Igwe. C'est quelque chose à propos de ceci. Et c'est ce pourquoi il a refusé de nous dire quoi. Et si c'est ça la mission, allons-nous continuer à regarder Igwe juste comme ça? Oh non. Je suis allé à ma maison maternelle, à Umaga. Et j'ai découvert que dans la grossesse de la princesse Ma, la main des dieux est impliquée. Quoi? Comment? Oh non, cet enfant sera une grande personne dans ce royaume. Mais nous ne pouvons pas tuer un enfant qui provient des dieux. Car les conséquences peuvent être bien plus graves. Oh non, nous devons faire très vite. Avant que Igwe crée des calamités dans ce royaume. Oh non. Nous sommes venus t'informer que la situation de ce royaume est convenable en tant que le prochain roi. Je ne comprends pas. Oh non. Attends, regarde bien. Igwe n'a pas de fils. Ce qui arrive maintenant, selon la tradition de notre royaume, tu es le prochain de prendre les trônes. Oui, Ono. Pensez-y, Ono. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je dois y réfléchir et ensuite revenir vers vous. Ono, pense à cela très vite. Nous n'avons pas de temps. Oui, Ono. Fais-le, s'il te plaît. Ma princesse, ne vous dérangez pas. Moi, je comprends que les dieux vous ont choisi. Vous êtes très spéciale. C'est grâce à vous que notre peuple aura encore son sourire sur son visage. Et je crois que même la mort du prince est liée à tous ces problèmes pour lesquels vous êtes choisi pour en donner la solution. Oui, ma princesse, Isioma a raison. Vous devez être heureuse que vous avez accompli la prophétie. Que dire de nous? Nous ne pouvons même pas nous marier ni avoir les enfants. Tu dois être heureuse, ma princesse. Vous pensez que c'est facile d'être une porteuse? Vous pensez que c'est facile? Désolé pour le message aux gens que j'ai envoyé. À travers l'oiseau magnifique, j'ai vu dans le miroir que la venue de l'enfant, de la fille du roi d'Alukwe, s'approche à grands pas. Il faudrait que je fasse quelque chose pour ça, pour éviter la mort dans notre royaume. Avant que je continue, Igwe Akalaka doit maintenant mourir. C'est la seule solution. Igwe Aloko, la balle est dans ton camp. Je veux fixer une date, aussitôt que le matin tombe, pour qu'elle soit conduite à la forêt maudite et soit tuée. Je suggère qu'on devrait la ramener dans son royaume. Sortir l'enfant, l'utiliser comme sacrifice pour obtenir plus de pouvoir. Ça sera bien ça. Mais cela ne sera possible que si elle est amenée loin de ce royaume, comme le royaume entier l'exige, avant sa mort le prochain jour. Envoie le message à tout le monde à propos de la forêt maléfique, avant que ce soit trop tard. Il n'y aura pas besoin d'informations, parce que cela commence après le prochain jour du marché des quais.
Partons d'aujourd'hui. Ça c'est bien. Nous devons partir, car le voyage est très long. Je vais être le prochain roi de ce royaume. Et tu seras la Lolo assise à côté de moi. J'ai vraiment confiance en mon mari. Bien sûr. C'est quoi ton secret? Je me rappelle de la dernière fois qu'on a parlé de ça. Tu m'avais dit que tu penseras à propos de ça. Mais tu ne m'as rien dit à propos de ça. Encore. Je viens d'avoir le soutien de Itiagua et Diova. Hein? Qui ont été suspendus par le... Igwe, Aloko, pour occuper le trône. Mon mari, je danse. Tu vois? Tu peux danser comme tu voudras. Mon mari, c'est notre chance. C'est la chance. Je sais. Igwe Aloko est un homme vraiment très fort. Mais je sais quoi faire. Peu importe tout ce qui arrivera, fais-le-moi savoir. Informe-moi, je vais te supporter. Agouai. Agouai. Naï, de toutes les façons, ça ne sera pas un crime si je serai la prochaine reine de ce royaume. Bien sûr. Ça ne sera pas un péché. C'est ça. Je ne peux pas supporter tout ça. Je suis fatiguée. Je veux juste mourir, c'est tout. Oh mon Dieu. J'espère que tu te souviens toujours de ce que je t'avais dit là-bas au palais l'autre jour. Oui, Ono. Je ne vais pas seulement changer ton statut d'un esclave à un homme libre, mais je vais m'assurer à ce que tu épouses également un sang royal, afin que tu deviennes un Itié dans le royaume d'Intioko. Merci, Ono, pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Pense ceci. Verse le billet à l'entrée du grand balcon de Igwe. Lorsqu'il ira pour dormir, afin qu'à son réveil, qu'il puisse passer à travers ça. Là, notre mission sera complète. Vraiment simple. Connaissez-vous parfois, il se comporte très mal. Ne t'en fais pas. Cela va bientôt changer. Je vais partir. Assure-toi de ne pas faire d'erreur. Ah!
Udo, j'ai demandé à te voir. Est-ce bien vrai que tu enceintais cette femme? Igwe. Elle a nié. Est-ce bien vrai? Igwe. C'est vrai. Je ne pouvais pas rejeter ma fille. Je l'ai déjà rejetée avant. La seule raison qui l'a poussée de nous rejeter, parce que j'ai mis au monde une fiolée d'un garçon. Il est loi dans le royaume qui dit qu'une fois que tu enceintes une femme, tu dois te marier à elle. Donc emmène-la maintenant et sa fille chez toi. Igwe. Elle est ta femme désormais. Igwe. Ma princesse, je suis en train de te dire mon expérience. Le guerrier m'a fait parcourir le royaume tout entier. Mais je n'ai rien vu du tout. À quoi attendez-vous que je vous dise, ma princesse, pendant que nous nous sommes limités, nous, humains, aux voix de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous devez vous reposer, ma princesse, puisque les vertus de Dieu sont en train de remporter sur les humains, à un temps que nous ne nous attendons pas. Okada, je dois partir. Ma princesse, allez vous reposer. Où vas-tu? La nourriture est prête. Hein? Où vas-tu? La nourriture est pour les faibles. En face du trouble. La ligne de bataille est tracée. Je ne comprends pas. Bataille avec qui? Le Igwe vient à peine de me suspendre du palais. Igwe vient de dépasser ses limites. Quoi? Alors où vas-tu? Je vais voir le grand Ikoto dans le royaume de Banda. Parle bien. Le Igwe doit mourir. Honnêtement, le Igwe doit mourir. Il doit mourir. Vous ne devriez pas laisser la princesse, pour aucune raison, quitter ce palais, sans ma permission. Mais suis-je bien fait comprendre? Oui, oui Majesté. Où se trouve Ekene? Igwe, elle est partie avec Ada, la fille du sol. Ah oui, je suis au courant. Vous pouvez disposer. Igwe. Bienvenue, Lei des dieux. Je peux voir que tu es en mission. Les dieux m'ont instruit de t'informer que la princesse est sur le point de donner naissance. Et quand cela arrivera, ne t'hasarde pas à poser tes yeux sur cet enfant. Parce que si tu le fais, tu vas directement rejoindre tes ancêtres. Pourquoi une telle menace? Personne ne questionne les dieux. Aucun mortel ne peut questionner les dieux. La venue de l'enfant se rapproche. Laissons-la donner naissance et après tuons-les tous. Notre grand prêtre a dit que je ne poserai pas les yeux sur cet enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne 2 ans d'âge. Comment est-ce qu'un Igwe ne peut voir son petit enfant? Il semble que le grand prêtre soit contre nous. Prends ceci.
applique-le sur ton visage. Mets une goutte sur la main de l'enfant et regarde l'enfant sans avoir peur. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé comme ça. Bon appétit. Je suis très heureux parce que tu as accepté, Oninye, de faire partie de cette famille. Nous sommes des femmes et nous nous connaissons. Permettre à une autre femme prendre ma place. Et voilà pourquoi j'ai détruit tes fétiches secrets contre le poison qui est entré même dans ta chambre secrète. Nous allons tous mourir. Oh bien, je nous tiens méchante. Elle pensait qu'elle pourra m'exposer, que j'ai tué Prince Ogona. Maintenant, elle est en route vers la terre de nos ancêtres. Maintenant, je m'en fiche de tout ce qui va m'arriver. Mais je prie ma revanche. Je me sens mieux. Oh. Que se passe-t-il dans mon royaume? Pourquoi est-ce que tous mes hommes meurent? Igwe Kalaka est mort. Igwe Monotuna est mort. Quelque chose ne tourne pas rond. Je sais quoi faire. Je dois contacter le sorcier en flèche des ténèbres. Exact, cela sera la réponse. Mes salutations, Naï. Nika, où vas-tu? Je vais au palais, je vais voir Igwe. Pour quelle raison? Naï, depuis que mon mari est sorti de la maison, jusqu'à présent, il n'est plus revenu. Nika, n'es-tu pas au courant que ton mari, Ono, a été suspendu au palais depuis vraiment longtemps? Naï, je suis désolée pour ça. Et tu veux aller au palais, laisse-moi te dire une chose. Il serait mieux que tu partes à la maison et cherches ton mari. Parce que Igwe ne sera pas du tout content. Voyons voir. Vas-y. Ne me tue pas, s'il te plaît.
Je vais confesser. Je vais confesser. Ta coupe est pleine. Les dieux ont été patients avec toi. Tout ce temps. S'il vous plaît, permettez-moi de confesser. Hein? Hey! Laissez-moi confesser. Très étonnant. J'appartiens à une secte. Hey! Connue comme les sorciers en flèche. Nous planifions de tuer la princesse. Hey! C'était sur le point de tuer le bébé. Maintenant. Vous voyez? Hey, je le disais. Je suis le responsable de tout ce qui s'est passé. Hey. Nous essayons d'empêcher la prophétie de s'accomplir. Hey. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Abomination. Je vous prie de me pardonner. Papa! Papa! Oui. Oui. Personne ne peut tromper les dieux et rester en vie. Personne ne trompe les dieux et reste en vie pour raconter l'histoire. À cause de son Dieu, à cause de son Dieu méchant, tous les hommes se sont enfuis du village. Nos femmes ont fui. Les jeunes, les guerriers, ont fui de tous les côtés, ne laissant que des enfants. Ne laissant que ce jeune fille. Ne sachant pas que l'oiseau qui construit avec son bec peut aussi détruire avec son bec. Hey, c'est pitoyable. Ne sachant pas que le mal qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Ne sachant pas que les dieux n'auraient jamais laissé leur prophétie s'accomplir. Princesse, avance ici. Cet enfant est nommé Afamefuna, le futur roi de ce grand royaume. Toi, Ichonofia, et toi, Ichofia, tous les deux, vous allez diriger ce royaume jusqu'à ce qu'il grandisse pour être sur le trône, pour assumer le titre de roi de ce royaume. Igwe! Whether good or bad, the prophecy must stand in this kingdom, Tiruku kingdom. The gods are wise, wiser than you.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Nobody can stop the prophecy. Nobody can stop the prophecy.